Yosh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Dagingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, une nouvelle vidéo, c'était inattendu, on avait prévu de redémarrer les vidéos de voyage et tout à la fin août, on profite tranquillement de notre temps en famille, mais compte tenu du nombre incalculable de questions que vous nous avez posées sur nos vidéos YouTube sur le fait de revenir visiter la Malaisie, à partir de quand, pourquoi, comment, je me suis dit bon, on va quand même faire une vidéo histoire de remettre un peu l'église au milieu du village, remettre tout le monde au carré et vous resensibiliser un minimum. Voilà. On va vous donner notre point de vue, notre avis, c'est que personnel, ça n'engage que nous évidemment. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre ça, tant pis, écoutez-le, analysez, faites-vous votre propre opinion pour savoir si vous allez pouvoir venir visiter la Malaisie et quand. Donc c'est simple, on est dans une situation compliquée, très compliquée, et la Malaisie a clairement une gestion de la crise du Covid-19 beaucoup plus, on va dire, restrictive que la France. Voilà. Donc on a reçu énormément de questions de votre part. Ouais, bonjour Damien, salut à Dagingo Team. Quand est-ce que je vais pouvoir venir en Malaisie? Je prends un cas simple. Ouais, j'ai un billet d'avion super pas cher que j'ai vu le 5 septembre. Une opportunité unique. Est-ce que tu penses que les frontières vont réouvrir? C'est une bonne question. Hein. Alors aujourd'hui, pour vous donner un peu l'état des lieux, les frontières sont toujours fermées aux touristes. À tous les touristes du monde entier. Pas seulement la France, à tous les touristes du monde entier. Voilà. Aujourd'hui, on ira après sur le site de l'ambassade. Même pour nous, expatriés en Malaisie, donc on a un résident de passe, donc on est considéré comme résident, il y a beaucoup de restrictions au fait de quitter le pays, par exemple, si on voulait rentrer en France, pour revenir. Mais ça, on va le revoir en détail juste après. Donc, comment dire, aujourd'hui, rien n'est fini. Rien n'est fini, la crise n'est pas finie, et vu de Malaisie, la crise est encore moins finie. Alors je sais qu'en France, on a l'impression, quand on voit les images, ça dépend des personnes, hein. Je mets pas tout le monde dans le même sac, pour certaines personnes en France, il faut faire hyper gaffe, c'est pas terminé, pour d'autres, c'est bon, c'est derrière, maintenant let's go, on va voyager, moi je veux venir en Malaisie au mois de septembre, et on y va. Donc ce qu'on va faire, on va repartir dans des chiffres, juste pour vous faire comprendre un peu l'état d'esprit du gouvernement malaisien, pour voir si oui ou non vous allez pouvoir venir et quand. Donc je vais passer sur l'écran directement là. Donc voilà. Là on est passé sur, Google. J'ai repris juste quelques chiffres pour resituer un peu la situation. Donc on voit le nombre de coronavirus cases dans le monde, 16 millions. Bon, vous allez me dire évidemment, il y a le Brésil, il y a les États-Unis, l'Inde, ça devient catastrophique. Donc on voit bien que depuis le début de l'année, ça monte en puissance. Ça, c'est pas le problème. Donc voilà. On est... là, je prends le classement mondial. Alors, classement... Pas classement, hein, on va dire, pour moi, c'est une information qui est classée par nombre de cas. Donc on voit bien les États-Unis, 4 300 000. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et on voit qu'actuellement, au-delà de 2 millions de cas actifs, ce qui est énorme. Le Brésil, pareil, 2 400 000 cas actifs. L'Inde, ça monte en puissance. Et tout, et tout, et tout. Donc, vous allez me dire, ouais, mais tu veux en venir où, en fait? Je vais en venir que je vais comparer bêtement la France et la Malaisie, tout simplement. Alors, en France, on est 19e au classement, avec 180 000 cas et 69 000 cas actifs. Ok, ensuite, je vais prendre la Malaisie. Donc, vous allez voir qu'au classement, en Malaisie, on est beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas. On est 84e avec 8900 cas et 173 cas actifs. Et ça, c'est important parce que ce classement fait la fierté du gouvernement malaisien. Ils sont très fiers d'avoir été reconnus comme bons gestionnaires de crise. Ils ont géré ça en bon père de famille avec les bonnes mesures prises au bon moment pour fermer le pays, fermer les frontières. Et les Malaisiens ne veulent surtout pas que ça parte en cacahuète. C'est-à-dire, ils vont rester vachement refermés de façon
à garantir une sortie de crise au moment où ça sera venu, au moment opportun, au moment où ils jugeront que ça ne sera plus vraiment quelque chose de, voilà, de dangereux pour le monde. Et voilà, et c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc si je prends la France, alors je vais passer ici, voilà. Donc je vous disais 180 000 cas. Ce qu'il faut regarder, donc on voit le nombre de cas, voilà, on voit la première vague, vous vous rappelez. Mais ce qu'il faut regarder vraiment, c'est pas le nombre de cas total, c'est le nombre de cas actifs tous les jours. Donc voilà, on a eu la grosse vague, et là, bon, on entend parler d'une deuxième vague en France. Alors déjà, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Ok. Voilà, donc je regarde bêtement ça. Alors évidemment, hein, c'est lié au nombre de tests faits, c'est lié au nombre de morts, si ça a été déclaré, pas déclaré, ça c'est pas de ma responsabilité. Je prends les chiffres tels qu'ils le sont et j'essaye de les analyser. Donc on regarde le nombre de cas actifs en France. On voit bien ici, au mois de mars-avril, donc quand vous étiez en quarantaine complète, tout était fermé, on est monté jusqu'à, on va dire, 59 000 cas actifs en même temps. Voilà, donc c'est monté, donc l'effet du confinement, là c'est redescendu doucement jusque, on va dire, jusqu'au 27 mai. Mais en fait, on voit que, on va dire, du 14 avril jusque là au 3 juillet, finalement, on a toujours le même nombre de cas actifs en France. Alors, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. Ça veut dire que soit les mesures de distanciation sociale ne sont pas bien respectées, et là, on voit que depuis quelques semaines, ça repart. En fait, c'est en train de repartir tout doucement. On est remonté à 69 000 cas. Et ça, c'est un indicateur. Parce qu'on a beau faire plus de tests, moins de tests, mine de rien, sur les chiffres, et c'est là que je veux en venir, je ne juge pas les chiffres, je ne veux pas les juger. Par contre, le gouvernement malaisien va regarder ces chiffres, va regarder le nombre de cas actifs en France, va regarder le nombre de cas actifs à Singapour, au Japon, à Taïwan. Et c'est sur ces chiffres-là qu'ils vont se baser pour prendre une décision. Et donc ça, le fait de prendre une décision basée sur ces chiffres, ça veut dire qu'il faut que ces chiffres soient le plus bas possible. Ok ? Est-ce que j'espère que j'arrive à être compris et pas mal interprété, hein ? Donc, ce qu'on va faire, on va partir sur le cas de la Malaisie. Donc, regardez le cas de la Malaisie. Voilà, on a eu 124 morts. Voilà. Et là, le nombre de nouveaux cas par jour. Voilà. Vous voyez, donc là, ça a fortement baissé. On a eu un confinement qui a été radical. Hein. Clairement, il a été vraiment ultra radical. On n'avait plus le droit de rien faire. Hein. Même sortir dehors, c'était compliqué. Il y avait les patrouilles de police partout. Le soir, il y avait les hélicoptères qui tournaient à partir de 20h au-dessus de la maison pour vraiment voir s'il y avait des gens dehors. Donc, ça a été vraiment drastique. Résultat, bon, bah, un affaissement complet du nombre de cas. Et là, on est tombé à moins de 100 cas actifs par jour. C'est vraiment minime. Minime. Vous voyez le nombre de cas, là ? On est tombé, on est par jour, des nouveaux cas, entre 5 et 10. Alors, pour vous donner un peu l'état d'esprit, donc là, vous voulez dire, oui, ben en fait, en Malaisie, c'est fini, quoi. Vous êtes tranquille, il ne se passe plus rien. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, il y a plus de cas de décès par la dengue que par le coronavirus en Malaisie. Mais ça, ce n'est pas du tout la priorité du gouvernement. Le gouvernement se focalise sur le coronavirus. Et comment dire ? Donc, on a eu des règles, on a eu des règles à respecter et il va y avoir même des nouvelles règles. Et c'est pour vous dire, comme les Malaisiens ont peur, en fait, ont peur. Là, on est repassé depuis 2-3 jours, on a 19 cas par jour, 20 cas par jour, là, on était à moins de 10. Ils commencent à paniquer. À partir du 1er août, obligation de remettre le masque partout, dans tous les lieux publics. Dans tous les lieux publics. Vous allez me dire, c'est comme la France. Ouais. Donc, je sais pas, les shopping malls, les restaurants, les gares, voilà. Et la rue. Alors, la rue, vous allez me dire, est-ce que c'est un lieu public ou non ? Donc, pour moi, c'était pas un lieu public. Et pour vous donner un peu un exemple, hier, on se balade. On va à Bukit Bintang. On part dans Bukit Bintang avec Titi, Tilia et Didine. On se balade. On n'avait pas le masque. On arrive près du Lot Ten, en plein Bukit Bintang. La police est là. Elle nous voit. Elle nous interpelle au loin. Elle vous dit, il faut mettre le masque. Je dis, mais c'est pas obligatoire. Fait si, à partir du 1er août, c'est obligatoire le masque. J'ai pas commencé à faire le mariole. Hein. Je dis, ok, on va mettre le masque. J'avais envie de lui dire, ouais, mais la rue, c'est pas un lieu, c'est pas considéré comme un lieu de rassemblement public. On est censé être libre dans la rue, voilà, c'est pas considéré. Donc, je suis pas rentré dans les détails, donc j'ai mis le masque. Hier, on a vu un communiqué comme quoi, techniquement, c'était pas obligatoire à partir du 1er août de mettre le masque dans la rue.
Ça, c'est la théorie, la pratique. Voilà, il y avait hier la police qui nous a réprimandé parce qu'on n'avait pas le masque. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu récemment là un sondage. Le gouvernement malaisien vient d'annoncer que si le nombre de cas de coronavirus, de nouveau corona, passe à plus de 100 cas par jour, ce qui n'est pas énorme, hein. En France, aujourd'hui, vous avez fait 1200 ou 1300 hier. Hein. Ils ont fait un sondage auprès des Malaisiens, donc les gens. Hein. 85% des gens sont pour dénoncer, en faveur de la dénonciation. C'est-à-dire que les gens qui ne respectent pas la quarantaine, ou choses comme ça, ils sont pour dénoncer les gens. 75% des Malaisiens sont pour un lockdown complet de nouveau si le nombre de cas passe au-delà de 100 cas par jour. C'est pour vous dire l'état d'esprit. Et là, on voit bien la culture française et malaisienne. En France, on aime bien notre liberté, on aime bien aller de l'avant. Là, ils ont peur, hein. Ils ont peur, hein. Je peux vous dire que j'ai repris mon activité au travail, on retourne au bureau, donc en semaine alternée, une semaine sur deux. Je vois mes collègues, ils sont flippés, vraiment, vraiment, vraiment flippés. Et donc, c'est pour vous donner un peu une idée sur la façon dont réfléchissent les Malaisiens et le gouvernement. Aujourd'hui, en fait, finalement, la balle n'est pas chez nous, la balle est chez vous. Si vous voulez revoyager en Malaisie ou peut-être ailleurs, hein, il va falloir que les résultats montrés par la France soient chirurgicaux, montrer vraiment des signes que tout va bien, des signes que le pays est safe, parce qu'ils ne réouvriront pas aux touristes le 31 août. Donc on est en confinement conditionnel, recovery, pardon. On retrouve en recovery, je ne sais plus ce que ça veut dire en français. Jusqu'au 31 août, au 1er septembre, peut-être le pays va réouvrir, mais pas aux touristes, peut-être pour le business, pour les pays qui sont safe, peut-être le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, c'est pas sûr, même s'il y a un gros intérêt d'échange avec Singapour, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Ça que je voulais vous dire, ça reste vraiment lié à vous et la balle est dans votre camp. Et aujourd'hui, je ne vous conseille vraiment pas de prendre un billet d'avion pour la Malaisie. Je ne vous conseille pas. Attendez. Attendez au moins le 31 août, voir un peu comment ça évolue. Renseignez-vous, regardez les infos. Ça change toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des nouvelles informations sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et aujourd'hui, donc, par exemple, notre situation à nous, en tant qu'expatriés. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ambassade de France en Malaisie. Autorisation d'entrée en Malaisie, donc qui est autorisé à voyager vers la Malaisie? Évidemment, les touristes, c'est forbidden, interdit. Nous, par exemple, je prends le cas d'expatriés avec un résident de passe, donc EP1, EP2. On pourrait rentrer en France. Ils ont fait une procédure, en fait, on pouvait faire un formulaire en ligne pour justement demander en France, pour rentrer en France en vacances, pour un cas exceptionnel, genre une maladie grave ou quelque chose comme ça. Pas pour des vacances. Ils recommandent vraiment pas qu'on rentre pour des vacances. Et si on devait le faire, je sais pas moi, quelqu'un qui est malade dans votre famille, repartir de Malaisie vers la France pour revenir, au retour en Malaisie, il faudrait observer, ils ont remis ça en place, vous le voyez ici, une quatorzaine. Donc, c'est-à-dire 14 jours de confinement, de quarantaine, dans un hôtel, aux frais du voyageur, et non plus à la maison. Ce qu'ils avaient fait en Malaisie, c'est que là, avant ça, on pouvait le faire avec un bracelet électronique de la maison. Donc, il y avait des gens qui avaient un bracelet rose. Et en fait, dès que tu les voyais un peu à certains endroits, en fait, il y avait des gens qui pouvaient même les dénoncer parce qu'ils sont censés rester chez eux et pas se balader au supermarché. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un peu l'état d'esprit du moment. Je ne pense pas que le touriste français soit le bienvenu tout de suite. Je pense que, honnêtement, je vais être assez trash dans mes paroles, vu le... Bah, on va parler de la date du moment, hein. On est le 26 juillet 2020. Pour moi, septembre, octobre, c'est mort. Novembre, j'y crois pas beaucoup. Si ça se passe bien, j'ai envie de vous dire 1er janvier pour les touristes. Moi, ma seule envie, elle est purement égoïste. Mon seul rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer en France à Noël pour partager la naissance de Tilia avec la famille. C'est le seul but que j'ai aujourd'hui, c'est de partager avec la famille et de retourner en France et de revenir à Noël. Donc, je pense que voilà, vous avez à peu près toutes les infos. Évidemment, bon, les règles à respecter, hein, vous les connaissez. Hein, on porte le masque, on se lave les mains, soyez safe. En France, pensez pas que tout est terminé finalement.
à l'instant T, là, c'est peut-être le moment où il y a le plus de cas actifs en France qu'il n'y a jamais eu. Et ça, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, ok, hein, bon, évidemment, ça reste... Je relativise aussi, hein, on n'est pas dans, en France, dans le cas des États-Unis ou autre. Il faut quand même continuer à vivre un minimum. Peut-être là qu'en Malaisie, ils sont vraiment drastiques. Et moi, avec ma culture française, c'est dur de me ressentir cloisonné, je le sens. Hein. Il faudra peut-être, dans le futur, apprendre à vivre avec ce Covid. Parce que peut-être que ça va durer comme ça pendant encore 2 ans. Et on peut pas continuer à vivre avec 10 cas par jour et être dans la psychose la plus totale. Ça, je suis entièrement d'accord. Il y a peut-être un juste milieu entre la France et la Malaisie, voilà. C'est peut-être la conclusion de cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. C'est une vidéo évidemment pas facile à faire. Voilà, puis je vous donne rendez-vous fin août pour de nouvelles vidéos voyage. De nouvelles vidéos, donc voyage évidemment en Malaisie. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup voyagé. On va y tester des nouveaux restaurants sur Bukit Bintang, le retour de la team gourmet. On a refait quelques pépites sympas. Plus, on a des petites vidéos qui ont été tournées il y a 2-3 mois en arrière. Avant lockdown, on a des belles images à vous montrer. Donc, il y a des trucs très très lourds qui arrivent sur la chaîne. En attendant, vous avez vu, je m'occupe. Hein. On a créé une chaîne de gaming, des Glingo Gaming Team sur les jeux vidéo. On joue un peu en ligne. Évidemment, on ne peut plus voyager, donc on s'occupe comme on peut. Voilà, n'oubliez pas de utiliser l'espace commentaire pour me donner votre ressenti, de dire si vous adhérez, pas du tout, vous pouvez m'insulter évidemment, parce que c'est des vidéos compliquées, je sais qu'il y en a qui accepteront pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, bah, protégez-vous bien, protégez vos proches, pensez à eux. Si vous êtes jeune, peut-être ça va. Si vous êtes plus vieux, évidemment, vous êtes plus à risque, on va dire. Donc voilà, je vous embrasse, c'était Papa Dame en direct de Malaisie. Je vous dis à ciao, bye bye.